Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo thématique sur cette chaîne et j'avais envie de vous proposer un nouveau contenu en plus des vlogs que je fais chaque semaine. J'ai eu du mal à trouver du temps mais c'est chose faite et donc aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous présenter 5 livres que j'ai très envie de lire cet automne. Je vous avais fait précédemment une vidéo l'année dernière, il me semble, sur mes recommandations de 10 livres à lire en automne, donc vous pouvez coupler cette vidéo avec la précédente. Ici donc ce sont des livres que je n'ai pas lus mais que j'ai très envie de lire et donc je vais vous présenter ça et puis on pourra en discuter juste après. Le premier roman qui me tente énormément et que j'ai très envie de lire cet automne, c'est La Nurse du Yorkshire de Stacey Halls. Stacey Halls, c'est l'autrice qui a écrit notamment Les Sorcières de Pendle et L'Orpheline de Foundling. Je n'ai lu que le premier et d'ailleurs il faisait partie de la vidéo des 10 romans à lire en automne. J'avais adoré son premier roman et donc celui-ci forcément me tentait énormément. Déjà dans cette couverture est magnifique, donc il est sorti aux éditions Michel Lafon. Et donc dans l'histoire, nous sommes en 1904 dans le West Yorkshire. Jeune nurse fraîchement diplômée, Ruby pense avoir une chance inespérée lorsqu'elle rejoint la famille England. Mais coincée dans une demeure coupée de tout, entre une mère fantomatique, un père affable à l'excès et des enfants insaisissables, la jeune femme pourrait bien regretter son choix. Gagnée par la langueur mortifère des lieux et de ses habitants, Ruby se souvient que les familles parfaites n'existent pas et elle en sait quelque chose. Et tout le mystère qu'il y a autour de ce roman me donne très envie. Je pense qu'on est là aussi sur une atmosphère un peu automnale, qui plus est avec un mystère autour d'une famille. Et surtout, j'ai vu les avis de certaines copines qui l'ont lu et qui m'ont donné encore plus envie de le lire. Donc voilà, je le lirai cet automne et je vous en parlerai. N'hésitez pas à me dire s'il vous tente ou même si vous l'avez lu. Le deuxième roman, c'est un roman que j'ai acheté l'année dernière à Brive, à la Foire du Livre de Brive. J'avais eu l'occasion de rencontrer l'auteur qui m'avait donné terriblement envie de lire son roman. Et forcément, j'ai craqué parce que je suis quelqu'un de très faible. Et je parle bien sûr des Sœurs de mon mort de Jérôme Loubry, paru donc chez Calman Levy Noir. C'est donc un thriller déjà, cette couverture tellement... automne slash Halloween, tout ce que vous voulez. Ce qui plus est, ça se passe en novembre 2021. Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmort, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée et équipé d'un système de surveillance dernier cri. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants? Les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux? Dans la lignée des refuges, un thriller stupéfiant à la construction aussi originale qu'habile qui vous fera douter de vos certitudes à chaque page, un nouveau coup de maître. Comment vous dire qu'il me donne beaucoup trop envie? L'auteur m'avait fait une dédicace, puisqu'en fait, dans le souvenir, quand j'ai acheté son roman, cette couverture vraiment je la trouve très effrayante et donc c'était un petit peu l'a priori que je pouvais avoir sur ce livre en lui disant mais est-ce que ça fait pas trop peur etc. Et il m'a dit non pas du tout, c'est un roman qui se lit dans une maison seule à la nuit tombée quand le parquet craque etc. J'ai dit d'accord, très bien. Et donc dans ses dédicaces il m'a écrit: Sophie, bienvenue à Montmort, charmant village qui ne fait pas peur. Voilà, donc j'ai trop hâte de le lire, qui plus est cette année je reviens à Brive, donc j'ai envie aussi de pouvoir me dire que j'ai lu les livres que j'ai achetés l'année passée. Et voilà, donc forcément si vous l'avez lu, je suis très preneuse de vos retours, mais il me fait très envie et je pense que forcément je le lirai cet automne. Le troisième roman que j'ai envie de lire cet automne, c'est un cozy mystery qui est donc sorti très récemment en poche chez HarperCollins. C'est Pas de pissenlit pour le cadavre de Andrea Japp. Et ici, donc, on est beaucoup, on est sur une atmosphère beaucoup plus douce, beaucoup plus drôle aussi, puisque nous suivons Chloé et Louise, qui ont peu de choses en commun, mais l'amitié qui les lie est indéfectible. Après un douloureux divorce, Louise a décidé de devenir fleuriste. Et si Chloé est dentiste, c'est avec plaisir qu'elle consacre ses après-midi à la composition de bouquets, ça la change des molaires. Un jour, une surprise macabre les attend pourtant dans la réserve, un type très mort, au milieu des branches d'amandier et des pivoines. Pas de panique, les innocents ne vont pas en prison. D'autant que le nouvel employé, mystérieusement évaporé dans la nature, constitue le coupable idéal. Malheureusement, quand les preuves commencent à s'accumuler contre nos deux héroïnes, le calme n'est plus de mise.
Et donc, je pense qu'il y a énormément d'humour. Déjà, rien que la phrase « un type très 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 mort », je trouve ça drôle. Moi, il m'en faut assez peu. Donc, je me dis que ça peut être pas mal pour cet automne, pour mettre un petit peu de douceur et d'humour avec ce temps un peu morose. J'aime beaucoup la couverture que je trouve très colorée. Je la préfère largement à la couverture du brochet qui était sorti. Je vous invite à les regarder si ça vous intéresse. Voilà, donc pareil, si vous l'avez lu, je suis preneuse de vos retours. Le quatrième roman, c'est un thriller, c'est un de mes auteurs chouchous, je vous en parle littéralement à chaque fois, dans chaque vidéo thématique ou même très régulièrement dans des vlogs, même si donc j'étais à jour de tous ces romans. Et j'arrête ce suspense tout simplement parce que je parle de L'archipel des oubliés de Nicolas Beuglé, qui est son dernier roman qui est sorti en septembre cette année. C'est donc la suite du Dernier message et du Passager sans visage. Nicolas Beuglé a donc écrit deux sagas. La première, c'est celle du Cri, Complot et L'île du diable, qui met en scène Sarah Geringen. Et cette saga-là, elle met en scène Grace Campbell. Et sans suspense aucun, ce tome-là, je l'attendais avec grande impatience, tout simplement parce qu'il réunit les deux héroïnes. Et j'ai eu un coup de cœur énorme pour Sarah Geringen de la première saga. C'est un personnage vraiment que j'adore. J'aimais aussi pas mal Grace Campbell, mais je préfère vraiment Sarah. Et de me dire que ces deux-là vont être réunis dans un seul et même tome, j'ai très 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 hâte. Donc, je peux quand même vous lire la quatrième de couve, je pense. Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringen le savent. Malgré leur caractère opposé, elles doivent unir leurs forces pour neutraliser l'homme sans visage, l'architecte du plan diabolique qui mènera l'humanité à sa perte. Seule piste, un manoir égaré dans les brumes d'Écosse. Juste ça. Derrière les volets clos de la demeure, l'ombre d'une jeune veuve austère, en apparence innocente. Mais cette femme est-elle vraiment ce qu'elle prétend être? Ce que les deux inspectrices découvrent dépasse leurs pires hypothèses. Dans une course qui les entraîne du Loch Ness à la Norvège, Grace et Sarah vont devoir repousser les frontières de la peur pour rejoindre l'énigmatique archipel des oubliés, l'ultime rempart au chaos du monde. Voilà, comment vous dire, je n'ai rien d'autre à ajouter. Tout le mystère est là et il me tente terriblement. J'ai même dû lutter franchement pour ne pas le commencer juste après l'avoir acheté, mais j'avais d'autres lectures qui étaient prévues et elles sont très chouettes aussi. Et enfin, le dernier roman dont je vais vous parler, c'est un roman que l'on voit énormément passer sur Instagram et que vous avez très certainement vu passer. C'est un roman qui, je pense, est parfait pour l'automne. En tout cas, il est décrit comme ça par toutes les personnes qui l'ont chroniqué et lu. Il est décrit comme ça également par son autrice. Et je parle bien sûr du cœur singulier pardon, de Millie Davis, de Sarah Yarmonde, qui n'est autre que Mrs. Book Yarmonde sur Instagram, au-delà donc du livre Objet qui est magnifique, donc édité chez les éditions Hurlevent, qui n'est autre que la maison d'édition créée par Sarah, Marion et Alexia. C'est donc un livre sublime qui a le pouvoir de tenir droit ouvert, et ça c'est quand même fantastique. Le livre en lui-même est vraiment très très beau. Je vais vous montrer. Je ne vais pas y arriver. Vous avez donc la lettrine, la mise en page, enfin vraiment j'adore. Et donc pour l'histoire, préparez-vous puisque la quatrième de couverture est tellement alléchante. Millie Davis est une écrivaine à la confiance fragile. Si le premier tome de sa saga historique, Les Espérances des femmes Templeton, s'est retrouvé sur les étals de toutes les plus grandes librairies du monde, son syndrome de l'imposteur a refait surface à l'apparition de critiques dénonçant des anachronismes. Encouragée par Lyra, avec qui elle entretient une amitié épistolaire depuis des années, Millie décide de braver troubles anxieux et timidité maladive en retrouvant les bancs de la fac d'histoire. Sous l'impulsion de son entourage et pour le bien de sa saga, elle sollicite l'aide d'Alpha Burton, professeur d'archivistique qui accepte de lui prêter main forte dans ses recherches. Fouille dans les rayonnages poussiéreux d'une librairie mystérieuse et discussions passionnées autour d'une tasse de thé bouleversent alors son quotidien habituellement casanier, et à mesure que l'histoire d'Isadora Templeton s'écrit, celle de Millie se tisse également. Entre les réunions du club d'activistes vegan de sa grand-mère, la fantasque Maggie, les rendez-vous studio avec son professeur et l'écriture de son second roman, le train de vie de Millie s'intensifie tant et si bien qu'elle peine à voir les évidences qui se dressent sur son chemin. Des plaines écossaises battues par le vent aux allées sombres d'une librairie clandestine, Millie partira en quête de deux destins, celui de l'héroïne de son roman et le sien.
Et comment vous dire que ce résumé me tente beaucoup trop. Je l'ai déjà prévu puisque je le lirai vers la fin octobre. Mais voilà, le livre en lui-même est sublime. Et visiblement, son contenu l'est tout autant. Donc je vous en reparlerai bien sûr dans des vlogs. Mais voici donc la liste des livres que j'ai très envie de lire. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, puisqu'elle va être très courte, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si les titres dont j'ai parlé vous tentent, si vous en avez lu certains, si certains sont dans votre wishlist, dans votre pile à lire, et auquel cas on pourra échanger dessus. De mon côté, je suis hyper impatiente de les lire et je vais justement partir reprendre ma lecture en cours. Et donc voilà, donc je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes, et je vous dis à la prochaine.